Les amis, ça fait plus de 3 semaines depuis que je suis partie à Hawaï que je me suis pas maquillée, que je n'ai pas mis une seule goutte de fond de teint. Je me recourbe légèrement les cils et je mets un petit peu de crayon pour les sourcils. Mais là, ma peau, elle est trop belle. Je suis trop contente. Donc, je vous montrerai les crèmes que j'utilise en ce moment. J'ai un peu changé ma routine depuis ces derniers temps. Mais je suis trop contente surtout parce qu'aujourd'hui, j'ai un shooting à Paris avec Armani Beauté, donc un tournage. Donc je vais vous montrer les backstage et tout ça. Mais j'ai hâte, ça va me remettre un peu dans le move. Parce que là, sans make-up pendant 3 semaines, bon, ça fait du bien. Pour la peau, c'est génial. Mais j'ai hâte de rencontrer la make-up artiste, le coiffeur et de retourner dans la vie active. Également, deux choses que j'ai arrêtées pendant que j'étais à Hawaï, c'est le pain et les pâtes. Parce que forcément, quand il fait chaud, t'as pas du tout envie de manger un énorme plat de pâtes. Et surtout que leur pain là-bas est pas incroyable. Donc je préférais me réserver avec une bonne baguette ici en France. Et c'est incroyable à quel point j'ai séché. Alors j'ai pas maigri parce que j'ai pas du tout envie de maigrir et que je me trouve bien comme je suis. Mais j'ai vraiment dégonflé et ça m'a fait du bien. Niveau digestion et niveau ballonnement, je trouve que c'est impressionnant. Et j'avais jamais fait une si grande pause. Donc de féculents, notamment pâtes et pain. Par contre, j'ai vraiment continué le riz, les pommes de terre, tout ça. Mais alors le pain et les pâtes, oh, c'est ouf. Du coup, je pense que je vais commencer à réduire un petit peu ma consommation ici. Mais c'est dommage parce que j'adore ça. Tu vas être par là-bas, toi. Regarde-moi. D'accord, et ouvre-toi un peu plus vers moi, un peu plus d'épaules vers moi, pas beaucoup. Ok.